Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. 28ème épisode de Far Cry 4, on va faire une libération d'otages comme promis en ce début d'épisode. Et puis après on ira au Sentier d'Or voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Je vous rappelle qu'on est au nord de la map actuellement, donc juste ici. On a fait cet avant-poste dans le dernier épisode, on s'est un petit peu chié dessus. Et puis cet avant-poste là, également le clocher. Voilà, nous sommes ici, nous avions commencé l'aventure là. J'espère que vous allez bien, libération d'otages donc. Apparemment ça se passe dans les mines, de ce que mon dialogue m'a dit. Mais bon, en tout cas, non, on n'est pas dans une mine. Mais en tout cas, il se faisait forcer de travailler dans les mines. Du coup, voilà, c'est là-dessus qu'on va commencer cet épisode. Oh, il y a un mastodonte carrément, c'est nouveau ça. On a une nouvelle arme, la PP Bison. On a également un nouveau lance-grenade du coup, qu'on va potentiellement découvrir du coup face au mastodonte. Ça va être assez intéressant. Donc le masto, va falloir le faire en dernier, hein. N'oubliez pas le like évidemment, d'avance, si vous savez que vous allez passer un bon moment. Et par la suite les commentaires qui font plaisir, je vous embrasse, bon visionnage. Hop là. Là on devrait pas être trop mal. Bon, j'ai un mauvais souvenir de monter les échelles, n'est-ce pas? J'arrive à localiser absolument personne. Le sniper, si je le bute, je suis dans... Ah voilà. Ok. Déjà j'ai deux otages. Déjà j'ai deux otages. Le masto, faut vraiment que je le fasse à la fin. Le sniper, il parle tout seul. Il y a quelques problèmes. Alors là j'ai pas compris comment je me suis fait cramer. Mais je me suis fait cramer. Je me suis fait cramer. Oh non, il va buter les otages. Bon, allez go. Il faut que je sauve ces deux otages. Oh non, il en a buté un. J'ai trop le seum. Pourquoi ça se passe mal? Bon, il reste plus que lui. Allez, on va essayer notre arme. Ah, pas mal. J'ai libéré combien là? Otage sauvé, 3 sur 4. Ah, j'ai trop le seum. Ils ont aucune pitié ces salauds, hein. J'ai pas compris comment je me suis fait cramer, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ah bah, j'ai un deuxième otage là. Je sais pas où est le troisième, en tout cas malheureusement. Malheureusement il aura péri. Pardon, excuse-moi, je te détache. Prenez ça. Vous l'avez mérité. C'est tout ce que j'ai. Tenez. Où est le quatrième? Où est le quatrième? Vous savez? Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Là. Ah, je suis quand même un peu deg. Ah, mais c'est ici que je me suis fait cramer en fait. Ah, fait chier. Mes chers fils, ma meilleure fille, ma tendre épouse, je descends de la montagne pour me rendre en ville et vendre nos récoltes au marché. J'ai besoin que vous vous occupiez de la ferme en absence. Ah là là. Bah, désolé, hein. Je suis un peu deg pour ce début d'épisode, je vais pas vous mentir. En tout cas, on va aller voir du coup le sentier d'or. Sur le chemin, il y a un avant-poste. Bah, ouais, les gars. De toute façon on n'a pas le choix, c'est sur le chemin, donc go hein. Oh purée. Dans quelle sauce on va encore se faire manger, je ne sais pas. Mais on va se faire manger. Pas mal en tout cas le lance-patate. Faut juste prendre en compte qu'il faut bah mitrailler quoi en fait, hein. Il faut vraiment lancer plusieurs. C'est vrai que le RPG ça one shot. Mais le lance-patate ça one shot pas forcément. Donc voilà, à prendre ça en compte quand même. Puis niveau visée aussi c'est pas pareil. Le lance-roquette il va tout droit jusqu'à un certain point. Et bah les lance-patates évidemment. Oh putain la vache. Ouais. Aïe. Ouais. Non mais frère, alors là je prends tarif. Non, frère, je peux rien faire. Alors là. Alors là. Voilà. Alors par contre je me suis attiré les foudres. On bat les couilles. Wesh. Et on peut pas être tranquille. Par contre c'est pas une blague. C'est pas une blague. Depuis qu'on est dans le nord de la map, on prend tarif, hein. Et j'ai vu vos commentaires. Vous êtes aussi vous êtes nombreux à penser aussi que Far Cry 4 est quand même plus compliqué que tous les autres Far Cry confondus d'ailleurs qu'on a pu faire. Et c'est réel, hein. Far Cry 4 est quand même plus compliqué. Mais alors là maintenant qu'on est dans le nord, les gars, c'est encore une autre histoire, hein. Là, c'est encore une autre histoire. Par contre, je me suis arnaqué. Elle est où ma troisième peau là?
Elle est où ma troisième peau? Elle est en bas? Ah oui, elle a glissé. Oh, quel enfer. Avec ça, je peux faire quelque chose ou pas? Je crois que j'ai besoin de ça pour confectionner un truc, je suis pas sûr. On va vérifier. Peau de yak, oui, confection tout à fait. Sac d'appât. Bon, écoutez. En vrai, j'en ai un peu rien à péter, mais bon, au moins voilà. Les points de compétence, on a dit qu'on touchait pas pour le moment. Bref, allez, continuons notre épopée direction l'avant-poste. Eh ben, je sais pas du tout. Là, on va vraiment galérer de plus en plus. Il y a des bisons partout, par contre. Hein. Alors là, maintenant, avec ma nouvelle seringue de chasse, niveau 2, normalement, ils sont pas censés m'attaquer si je les utilise. Mais bon, j'ai pas envie de gâcher mes seringues. Je vais tout simplement contourner. Et là, il va falloir monter. En tout cas, les gars, pour ce qui vient de se passer, maximum de likes, bien sûr. Je compte sur vous, les loulous. J'aime bien, il y a des petits trésors un peu partout. J'espère juste que là, c'est pas un cul-de-sac. Et que je peux monter parce que ce serait un petit peu embêtant. Oh, les bruits d'ambiance. J'aime tellement les bruits des animaux comme ça. On se croirait sur Green Hell. Vraiment, hein. C'est d'ailleurs que, bon, je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, mais Green Hell, j'aimerais trop rejouer au jeu, mais c'est tellement compliqué. What? Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Ça m'a fait peur un peu, non? Tellement compliqué Green Hell, mais j'aimerais tellement y rejouer. Et c'est vrai que bah maintenant que je connais le jeu, ce serait plus pareil quoi. Mais voilà, c'était le petit la petite parenthèse. En tout cas, allez. Heureusement, il y a les grappins. Et les grappins, ça fait du bien. Ah, je vous jure, si tu pouvais faire ça si facilement, si aisément et enchaîner comme ça dans la vraie vie, surtout du premier coup lancer ton truc, voilà, incroyable. Incroyable. Ok, il y a plus que 200 mètres, ça va assez vite. On a un ours qui a pas l'air très content. On est vraiment, que ce soit la faune ou les gens, l'humain, on est vraiment pas bien accueillis ici, hein. Franchement, on a été quand même bien mieux accueillis sur la partie sud au début du jeu. Même Pagan Mine, hein. Pagan, il nous a bien accueillis. Bon, maintenant, là, il nous déteste, hein, ça c'est clair, hein, avec tout ce qu'on lui a fait. Alors qu'il suffisait juste de manger son plat. Et puis, on aurait pu déposer les cendres et finir le jeu. Mais bon, évidemment, pas après ce qu'il a fait dès le premier épisode, évidemment. Pas après ce qu'il a fait à notre ami qui nous a justement amené jusqu'ici. Et tout ce qu'il est en train de faire au peuple, évidemment, on est là pour y mettre fin. Tu vas rien faire du tout, toi. Ça y est, maintenant je t'ai vu, toi. Voilà. Ça fait plus la maline maintenant, hein. Elle est bien, la pépé bison, je pense. Elle fait moins de dégâts, mais bon, c'est quand même une arme qui me plaît beaucoup. Hôtel de Kalinag. Sympa, ça. Sympa. Ok. Ça me paraît bizarre de passer par là, mais bon, visiblement ça marche. Ah ouais, ouais, je pense que c'était pas fait pour. Oui, je pense plutôt qu'il faut faire ça. Ça me paraissait bizarre en effet. Et hop là. Et là tu te foires, tu tombes, t'es mort. Oh, c'est beau. Très très beau, hein, ce jeu, hein, quand même. On est arrivé. Presque arrivé. Oh non, bichette. Ah. Namaste, AJ. C'est comme sur Far Cry 3. Et, oh, vous vous souvenez de Let's Play Far Cry 3? Exactement la même chose. Ils étaient en train de pleurer et d'un coup ils m'ont dit hey, salut mon frère. C'est exactement la même chose. Voilà, bah ça y est. Excusez-moi, hein, je les dépouille. Hein. On n'oubliera pas ton sacrifice. Merci. Namasté. C'est pas marrant, mais bon. Ils changent de. Ah, les débiles. Bon, allez. On arrive sur la zone. J'ai l'impression d'être un vrai soldat là. Arrivé sur la zone d'opération. Ah, encore un mastodonte. Bon, il y a deux alarmes. Ça va encore me porter préjudice. Une alarme là-bas. Elles sont toutes au fond les alarmes. Excellent. Ah. Alors attendez. Là, j'ai une alarme en vue. Et l'autre alarme, je pourrais la voir. Sans aucun problème en faisant le tour. Donc on va pas perdre de temps, on va juste pas se faire cramer. Et tout ira bien, regardez, ça va aller très très vite. Je ne vais pas vous décevoir. Voilà.
Voilà, je me suis déjà fait cramer. Chose qui n'arrivait jamais jusqu'à présent, c'est quand même dingue. Mais là je vais pas appeler... En fait ils appellent pas les renforts tant qu'ils m'ont pas vu. Donc je peux les tuer, non? En vrai... Attendez, maintenant j'ai la PP Bison avec un silencieux. Le mastodonte il est pas au courant je crois. Vas-y go. Mais je suis à nulle part. Je suis partout et nulle part à la fois, je suis une chouette. Elles se mettent à genoux. En fait, je suis le prophète. Pour ceux qui ont la ref. Faudrait que j'arrive à passer par là et évidemment je vais pas pouvoir si c'est bon. L'alarme est là. Regardez bien. Allez. Voilà, y a plus d'alarme. Ils sont nombreux hein. Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Off, le Toonfou, arrive. Il y a deux mastodontes, bonsoir. Un plaisir. Un plaisir partagé bien sûr. Il y a trois mastodontes. Un plaisir. Il y a trois mastodontes. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois. J'adore ce jeu. Bon là ils savent pas où je suis. Et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Ok. Attendez, je vais prendre la seringue. Vas-y fuck. Ils sont où là? D'accord. Ok. Bon, il reste deux mastodontes et un mec normal. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, n'oubliez pas le pouce bleu, messieurs, dames. Voilà. C'est vraiment bien ce lance-patate, hein. Vraiment yimbe, hein. Allez! N'oubliez pas le pouce bleu, on va directement aller voir. Enfin, sa balle. Le sentier d'or. N'en parlons plus. Très très bien. Allez hop. Quelle histoire. Mais quelle histoire. Quelle histoire. Bon là on a un assassinat. L'émission secondaire c'est fini là. On arrête. On arrête là pour le moment. On va directement voir le sentier d'or. Attendez. Affiche de propagande par contre. Ça tu connais. Ça dégage. Ils sont vraiment de plus en plus chauds hein. On sera tous bien d'accord. Hop, le sentier d'or il est ici. Mais attendez, il y a un clocher juste là frère. Oh excellent. Allez let's go. Hello again. La map est vraiment petite hein. Je répète ça à chaque fois, j'adore. J'adore répéter ce que je dis déjà. Est-ce que vous pensez que ça passe? Bien sûr que ça passe. Eh, regardez. Je vais passer devant eux sans aucun problème. Salut bande de losers. Ils m'ont même pas vu. Par contre là il y a des ennemis partout hein. Il y a du monde au balcon. J'aime ce jeu autant que je le déteste. Je pense que vous l'avez remarqué. Ça s'ouvre ça? Non. Heureusement qu'il y a des trous. C'est franchement bien fait. Bah là je peux rien faire. Bah là je pouvais clairement rien faire. C'est un plaisir ce jeu de merde. Je vous l'ai dit, je déteste ce jeu comme je l'aime. Il y a même des mastodontes maintenant sur les avant-postes. C'est un truc de ouf. Non ça c'est pas un masto ça. Ça c'est pas un masto. Bon maintenant qu'on sait qu'il y a un masto. Ah, il est mort. Il est pas mort. Il est pas mort. On va savoir pourquoi. Putain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bon. Ah, Paganine qui parle. Ok. Quel enfer, quel enfer. Il est en train de péter un câble, Pagan. Écoutez ce qu'il dit, Pagan, c'est excellent. Mais... Voilà.
Nous, le sentier d'or, on massacre personne, on massacre que les méchants. Donc dis pas des bêtises, Pagan. Les innocents, on leur fera rien, d'accord? À la bonne again. Ok. Quel épisode de folie, là. Quel épisode de folie. On est même pas encore allé voir le sentier d'or. Qu'est-ce qui nous attend? Je ne sais pas. Mais on va très vite le savoir. Allez hop, ferme-la. Ça dégage. Plus que 5 clochers à libérer, messieurs dames. Ça va très très vite là. Ça va très très vite. Col de Gornac. Oh, est-ce qu'on peut détruire ce pont? Dites-moi que oui, ce serait incroyable. Ruine du temple de Devi. Pas de facture ici. Pas de devis. Camp de Sherpa Gumonta. Très bien, merci à tous. Et à l'année prochaine. Gratuit au comptoir. Ah bah c'est marrant ça. Parce que je l'ai acheté. C'est la MP5, c'est ça? Ah purée, je suis pas patient hein. Du coup, j'ai bien fait de l'avoir acheté à l'époque, la MP5, parce que j'en ai eu bien besoin hein, plutôt que d'attendre. Parce que si c'était que maintenant qu'on débloquait la MP5, on aurait été un petit peu dans la sauce. Bon, le sentier d'or. Je peux prendre une tyrolienne. Ouais, parfait. Let's go. Ouh. Bon, j'ai zappé une affiche de propagande, mais c'est pas grave. Besoin d'aide, rien à péter. Salut les cochons. Vous êtes gentils hein. Bah oui hein. Ah non, c'est des sangliers, ils sont pas gentils, je suis con. Oh. Oh. Voilà, tiens. J'ai pas besoin de les tuer, ils ont compris. Vous voyez cette ruche d'abeilles? Eh ben, il faut les préserver parce que les abeilles, c'est important. J'allais faire une dinguerie mais je l'ai pas fait. Est-ce que je peux grimper là, dites-moi? Parce que sinon je suis en train de me faire arnaquer. Et j'aime très rarement qu'on m'arnaque, pour être honnête. Les seuls qui arrivent à m'arnaquer, c'est ma banque. Et ça s'arrêtera là. ouais, je pense que je peux passer par là sans trop de difficultés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait tomber, qu'on n'a pas fait tourner de moulin là. De moulin prière. Peut-être pour ça que je me fais massacrer la tronche. Ah, attendez, il y a un événement karma. Protéger le peuple contre les prédateurs. J'arrive. Mais il y a des... Mais, hein, les sangliers, c'est des prédateurs? Je savais pas du tout ça. Mais ils sont où les gentils là? Ah voilà. Bah j'ai échoué la mission. Apparemment. Longinus. Ah oui, là il y a Longinus. Moi je m'en fous de Longinus. Toujours dans sa tente là. Moi je veux voir le sentier d'or. Oui, oui, j'ai pas votre temps là. EJ, tu tombes bien. Pagan va diffuser un message. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, mon frère. Mais on va le savoir bientôt. Bon peuple du Kirat, je sais que vous serez tous ravis d'apprendre que la nouvelle de ma mort est totalement et entièrement inexacte. Je suis en vie, et tout va bien en ce bas monde. Mais la vie, c'est le changement. Et je t'implore, Kirat, de suivre mon exemple et d'en tirer une influence positive. Le changement nécessite la force. Et cette force, je sais qu'elle est en chacun de vous. J'ai moi-même assisté à des changements dans ma propre organisation. Miss Noor et Monsieur Paul de Pleur, après des années à mon service, ont décidé de s'en aller. Je sais que, tout comme moi, vous leur souhaiterez bonne chance pour leur futur projet. Mais comme eux, nous devons aller de l'avant, sans état d'âme. L'attentat fait à ma vie n'est rien de plus qu'un symptôme de la résistance au changement. Je vous rassure. Yuma Lo, ma fidèle commandante en chef, qui supervise nos opérations minières au complexe KEO, s'interposera entre moi et d'éventuels assassins. Elle préférerait se sacrifier plutôt que de voir quelqu'un me faire du mal. Essayez, je vous mets au défi. Je serais curieux de vous voir la mettre à l'épreuve. En résumé,
Le changement est bon. Accueillez-le. Votre roi est vivant. Réjouissez-vous. Et Yuma attend, telle une sentinelle. Elle attend. Venez donc. Je crois qu'il nous appelle, mon frère. Les mines. Tu sais quoi faire. Aïe, 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 aïe. En plus, c'est un sacré menteur, le Pagan, hein. Bon, il a bien raison, c'est comme ça dans la vraie vie aussi, enfin. Il a fait croire que ces deux qu'on a assassinés, hein. Je rappelle qu'on a assassiné Nour et Paul de Pleurs, là, mes couilles. On les a assassinés tous les deux. Et il fait croire à son peuple qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils ont décidé de s'en aller. Mais alors, que va-t-il dire lorsque nous allons assassiner Nour? Non, qu'est-ce que je raconte? Yuma, voilà, Yuma. Qu'est-ce qu'il va faire quand on va assassiner Yuma? Va-t-il dire que, finalement, Yuma en a eu assez? Je m'excuse souvent pour les premières impressions laissées par Yuma. Elle a une capacité remarquable à massacrer ses premiers rendez-vous. J'adorerais que vous puissiez vous rencontrer sous de meilleurs auspices. Elle a vraiment été un élément déterminant dans la plupart de mes succès. Elle négocie les traités avec mes partenaires internationaux, elle surveille Nour et Paul, et elle trouve encore le temps de diriger mon armée. Enfin, il y a quand même cette récente obsession pour les superstitions Kirati. Elle croit que je ne sais pas pour les expéditions qu'elle a envoyées dans les montagnes à la recherche de peintures magiques ou de je ne sais quoi. Je suis aussi ouvert que n'importe qui pour permettre quelques pertes humaines et faire plaisir à mon employé. Mais quand on me pique un peu trop mes jouets, je finis par couper quelques mains. Oh là, oui, d'accord, ça ne rigole plus. Mais ça va pas à la tête. Ça ne rigole plus. Est-ce que je peux atteindre le truc là-haut, là? Non, d'accord, je vais me faire foutre. Bah, y a pas de problème, on va aller voir Yuma, t'inquiète, hein. Y a absolument aucun souci à ce niveau-là, moi je suis carrément partant. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est vrai qu'on en a pas encore beaucoup parlé. Alors, peut-être qu'en commentaire vous avez débattu, j'ai pas encore pu voir vos retours là-dessus. Évidemment, le soleil va se coucher comme d'habitude, on n'a pas de chance. Mais concernant Willis, ce traître de la CIA qui nous a abandonné, hein, justement chez Yuma, hein, c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore d'en dire grand-chose parce qu'il m'a tellement saoulé, tellement dégoûté et j'avais tellement plus de souvenirs de cette trahison que bah, ça m'a fait un petit choc et que peut-être j'ai voulu l'oublier. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même fait... voilà, on pensait en apprendre plus. Alors on en a appris plus quand même sur le daron et la daronne. On a compris que la daronne aimait bien, apparemment, aimait bien quand même Pagan et vice-versa. Que le daron il s'est fait assassiner. Et que le daron a donc créé le sentier d'or et tout ça. Maintenant, il nous a quand même trahi, le salopard là, le Willis. Bref, n'en parlons plus, on le verra plus. Retrouver Yuma. J'ai cru que c'était écrit retourner Yuma, mais je pense que ce sera pareil. T'inquiète pas que je vais la retourner. Minkeo, là on est parti pour une longue quête, hein, si vous voulez mon avis. Ça va être assez intéressant. Très bien, on va passer par la droite, mais d'abord un petit peu de lecture. Non, ça m'a saoulé. N'hésitez pas à mettre pause, bien sûr. Si jamais un petit peu de lecture, je le sens dans l'eau, je le sens dans la terre. Elle ne parle pas de ma bite. Excusez-moi. Ça, c'est quand je suis stressé de ce qui va nous attendre. Waouh! C'est beau. C'est très très beau. Très bien. Un peu de lecture. Les parchemins en sanskrit. Ah! Oh non, la flemme! Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'on était à Shangri-La. Pitoyable! C'est toi que Pagan a envoyé pour me tuer? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui faisait peur. Personne ne pouvait lui résister. Et puis ta mère... Ta mère... Oh non, je déteste ce que je suis en train de voir, les amis. Aïe, 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 aïe.
Eh oui, ça y est, le début des ennuis. Le début des ennuis, messieurs, dames, voilà. Elle l'a affaiblie, ramollie. Elle en a fait cette coquille vide et maniérée. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus un roi. Il est brisé. Usé. C'est... Ça fait réfléchir. Par contre, parle mieux de ma mère quand même. Par contre, ça fait réfléchir ce qu'on est en train de voir. Tu vois ? Si Sabal reprend le pouvoir, bah il sera comme Paganin. Si Amita reprend le pouvoir, elle sera comme Paganin. Enfin, peu importe. Ça peut pas fonctionner, quoi. Dans tous les cas. Ça fait réfléchir la dictature quand même, hein. Mettez en commentaire tous. Ça fait réfléchir. Non, mais c'est vrai ou pas ? Ce que je dis depuis le début. Détruisez la porte. Détruisez la porte. Ok, j'ai des flèches illimitées. Oh, le ralenti. Comme à Shangri-La. Je suis mort. Voilà. Non mais là je pige pas là. Là je pige absolument rien. C'est le Shangri-La du Kirat, frérot. Ça me casse la tête. Quoi? Mais à quel moment toi? Mais à quel moment? Mais suce ma bite en fait. Mais meurs. Saloperie, oui. Pourquoi j'ai pas mes seringues? C'est chiant là. C'est chiant Grilla. MDR. Assassinat. Enchaînement. 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 Non d'accord. Bah, je vais me faire foutre. Oh putain, ma parole. Ma parole. Allez. Mais je ne peux rien faire en fait. Attends, on fait une pause. Pousse, pousse. Ralenti, 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 ralenti. Voilà, bouge pas toi. Hop. Super, ça marche pas. Hop. Voilà, toi t'es mort. Hop. Hop. Voilà, allez. Est-ce que c'est bon pour vous? Comment je détruis cette porte là? Superbe. Je n'ai pas d'explosif. Je n'ai pas d'explosif. Laissez-moi réfléchir. Ah. Oh, je sais pas, je me suis dit sur un malentendu. D'accord. Détruisez la porte. Bonsoir. Détruisez la porte. D'accord. Bah j'y retourne. Avant il n'y avait pas les points, mais bon pourquoi pas. Je suis au bout de ma vie. Voilà, je suis au bout de ma vie, c'est le cas de le dire. Ah, les trucs hallucinogènes comme ça, ça me gonfle un peu, hein. Wingsuit, c'est ça? Qu'il s'en remettrait. Mais non. Ce qui est brisé reste brisé. Moi je vais te briser la nuque. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Et toi? Non. Tu ne me briseras pas. Moi je vais te briser le cul. T'en bats les couilles. Ce qu'elle veut elle. J'ai brisé la tête à Nour, j'ai brisé l'épaule à Paul de Pleur là. Je vais te briser le cul moi. Je rigole pas avec ça moi. Allez hop. Je suis censé aller où là? Alors là par contre je sais pas où je dois aller. C'est gênant là. Je dois aller où? Bon bah je vais monter tout en haut mais ça me paraît débile. Ah je peux pas aller tout en haut voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah là, ici là, un grappin encore. Non, c'était là que j'étais avant. Allez, balance-toi frérot. Je comprends pas là. Voilà, je... Là, je suis au bout là. Grappin. Sauf que c'est de là que je viens, hein, si jamais. Ah, attends, vas-y, on va se remettre là. On va réfléchir. Je prends le grappin là et après je vais où?
C'est pas vrai ça. Ah là-bas. Ah, j'avais pas vu. Quel débile. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu con. Faut pas m'en vouloir. J'ai un bon fond quand même. Oh nice. Hop là, magnifique. Attendez, on refait encore une bascule. Ah la monogen. Voilà. Bon. Ça balle, t'arrêtes de déconner là. Tu n'es que dans ma tête. Bah. On va se détendre. C'est une façon d'accueillir les gens ça. Très bien. On passe du bon temps en tout cas. On passe du bon temps. Belle grotte. Déborah, c'est Ratatouille, on se croirait à Paris. Oh waouh. Retour à la case départ. Tu m'as eu. Mais putain. J'aurais pas dit mieux là par contre pour on le coup. Arrête de faire joujou. Ah oh ouais, touche-moi la bite. Shaoqua. On sait tous les deux ce que tu veux vraiment. Genre vraiment, elle suce. Pas de jouer au lit. What? Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Mais... Il est temps de jeter tes cendres et celles de ta mère. Mais quoi? Cochon. Mais comment? Ça te fait marrer ça? Je panique. Tu es Kalinag. Mais tu es où Kalinag? C'est qui Kalinag d'ailleurs? Ah bah oui. Mais non, c'est pas Yuma Kalinag. Kalinag. Oh. Mais il y a un truc invisible qui me tire dessus. Ah. Eh hey, oh. Oh putain. Même avec le ralenti j'ai foiré. J'ai chié dans la colle. Heureusement j'ai des flèches illimitées hein. Bon allez, ça m'a saoulé. Oh là là. Mais l'angoisse. L'angoisse. Ça prend 30 ans à régène en plus. Allez. Là je vais sortir, je vais me faire goumer. Oh, joli ça. Et cette épée derrière. Non, elle est où? Elle est là. Oh putain. Eh, je pète mon câble hein. Je pète mon câble. T'es où? T'es là. Bouge pas. Bouge pas. Hein. Voilà. Exécution. Ensuite. C'est pas fini. Oh non. Bah non. Ah. Oh non, mais non, mais non, mais non. Comment voulez-vous? Voilà. Attends. Attends. Comment voulez-vous? Arrête. Eh. Hey. Non, arrête. Stop. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Bon, le tigre. Le tigre. Oh, le tigre. Paf. Ça dégage. Paf. Allez, bien sûr, bien sûr. Mais ta gueule. Non mais c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Oh putain. Oh l'angoisse. Vas-y charge. Voilà. Oh non frère, c'est trop, ça me saoule. Viens voir, viens voir. Allez bien sûr. Allez.
Mais il respawn à l'infini, lui. Tu me saoules. Allez, non, là par contre, vraiment, je vais péter mon câble. Voilà, allez hop. Ferme-la, toi. Voilà. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Oh non, c'est trop, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Bon allez, eh, fumez-moi la gueule, c'est bon, ça m'a saoulé. En vrai là, c'est, ça m'a saoulé. Ça n'a absolument aucun intérêt. Là, le MK l'orageux, vous le retrouvez. J'espère que ça vous fait plaisir. D'accord. Je me suis dit c'est bon, mais en fait non, c'est pas bon. Enfin, c'est bien, c'est même quand t'es camouflé derrière, tu te fais quand même. Allez, un combat équitable. Bon bah big up hein. Alors par contre j'ai fait mes plus beaux moves là. Là j'ai fait mes plus beaux moves mec. Ok. Oh putain. Ah ouais, lui il cherche pas lui. Lui il cherche pas midi 14h. Exécution. Oh, je suis content là, je suis content, j'en avais marre. Allez hop. Kalinak, je sais pas t'es qui mais tu prends ce que tu mérites. Complètement. La rage m'a emparé. La rage s'est saisie de Wham. Don't wake me up. Il faudra go go. Allez, autour de Yuma là maintenant. Bah elle est morte, c'est bon hein. Incroyable. Incroyable. Allez hop, ressaisis-toi frérot. On a rien compris à ce qui s'est passé, t'inquiète pas. Vengeance, mission réellement terminée. What the fuck? Sabal, j'ai tué Yuma. Loué soit Banachour, c'est la volonté de Kira. Mohan te regarde en ce moment, mon frère, et il est fier de tout ce que tu as accompli. Autour de Pagan et Jay, et ce sera fini. Nous serons libres. Alors, j'ai fouillé Yuma. Elle avait une clé USB, frérot. C'est... bon, pourquoi pas, c'est original. Putain, on a réussi. Donc là, si j'ai bien compris... bon là il faut que je retourne voir le sentier d'or, mais on va s'en arrêter là évidemment pour ce long épisode. Mais si j'ai bien compris, il reste plus que Pagan en fait. Il y a plus personne là où, avec lui là. Pagan il est tout seul. Il a plus de bras droit, il a plus de bras gauche, il a plus de tub, il a plus rien. Incroyable. Oh j'ai kiffé. Enfin j'ai kiffé. Allô. C'est gênant. Voilà. J'ai kiffé en tout cas le fait qu'on a réussi parce que c'est pas facile hein. C'est pas facile facile. Alors moi j'aime bien tout vous montrer quand même. Pour être transparent, je vais pas faire de coupure pour vous faire un perfect hein. C'est pas un film, c'est un vrai let's play. Donc j'ai vraiment envie de tout vous proposer. J'espère que vous kiffez quand je rage quand même. Parce qu'à un moment donné on rigole, on voit pas le fond de la Nicole. En tout cas les amis, je compte sur vous pour m'encourager un maximum. Avec un maximum de likes pour celui-ci. On va faire l'avant-poste pour le prochain épisode. Et puis on ira évidemment avec le sentier d'or également. On va enchaîner directement. Plein de bisous les amis, je vous kiffe. Belle fin de journée à tous, peut-être bon matin si vous regardez cette vidéo le matin. C'était MKolo, n'oubliez pas le like. Ciao tout le monde.